Salut à tous, c'est Alex le serveur, on se retrouve à Couronneige dans Pokémon Épée et Bouclier. Regardez, il y a des petits flocons de neige qui tombent. Je suis en compagnie de Vincent, bien évidemment. Fidèle au poste, salut. Et je suis toujours en direct sur Twitch, bien évidemment. On reprend la suite de l'aventure pour essayer de trouver Silveroy. On vient de finir du coup un combat Dynamax, une expédition Dynamax. Du coup, tranquillou. Contre Suicune, et franchement, on y allait easy peasy, c'était assez simple. Un Exagel. Peut-être que je vais... Ouais, doucement. Oh, il m'a fait peur. Je vais désactiver Internet, déjà. Hop. Voilà, on sera mieux. Alors. Je triche, j'allais prendre un Exagel maintenant, mais je le ferai plus tard. Enfin, bref, je ne dis rien. Alors, comme d'habitude... Papy Carotte, il est là. Comme d'habitude, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à réagir dans le chat. Et si vous voulez assister, si vous regardez cette vidéo en replay et que vous voulez assister à un prochain direct, c'est tout simplement Alex le serveur, le pseudo sur Twitch et sur YouTube. Tu cherches des carottes? T'en trouveras pas en cette saison, mais j'ai des graines si ça t'intéresse. 8 éclats contre des graines de carottes. Eh ben, ça roule. Donc, on a besoin de ces graines. Il se fait pas chier, papy, quand même. C'est clair, en termes de prix... Merci, je vais enfouir ce Dynamaxium dans les champs du village. Avec ça, nos légumes vont devenir énormes, c'est sûr. Bah, il s'en sert en même temps comme engrais, tu vois, c'est bien. Comme engrais. Et voilà pour toi, chose promise, chose due. Donc, on a besoin des graines pour rappeler le destrier de Silveroy. Exactement. Alors, et comme on l'a vu la fois dernière, l'espèce de carotte obtenue varie selon le type de sol. Donc, si c'est un sol gelé, on a des carottes gelées. Et si c'est un sol près d'une tombe, on a des carottes. Sombre. Exactement, c'est quand même glauque, mais bon. Un peu, ouais. Ne plante pas les graines que je t'ai données dans les champs du village, hein. Enfin, déjà, l'idée de planter des carottes dans un cimetière, je trouve ça perso un peu glauque de base, hein, mais... Je sais pas s'il faut prévenir Silveroy, mais je vais lui dire au cas où. Bah, si. C'est lui qui va les... Humain, as-tu trouvé des carottes? Vraiment? Cet étrange sachet contient des graines de carottes? J'adore la tête qui fait. Décidément, les humains ne cesseront de m'émerveiller. Ils sont pleins de ressources. Hélas, les carottes ne pousseront pas dans les champs de ce village. Dans une terre fertile, je pourrais faire germer ces graines, mais cela m'est impossible ici. Tentons de trouver des sols propices à la culture des carottes dans mon royaume glacé. Un coup de préscience peut-être. Bon là, il gèle. Deux champs ont retenu mon attention. Le premier est entouré d'une neige épaisse. Oh, des tombes. Alors que le second côtoie un lieu de sépulture. La terre fertile de l'un de ces deux champs me permettra de faire pousser des carottes. Rends-toi à l'un de ces deux endroits et plante-y les graines de carottes. Allez, on libère... Hein? C'est bizarre, en ce moment j'arrête pas de m'endormir dès que je sors. Faut croire que c'est fatigant de garder la base secrète. Et chef, te surmène pas trop non plus, hein, ok? Allez, ciao Dylan. Ils l'ont fait un peu beubeu, je trouve ça dommage. Bah, c'est rigolo. Lorsque j'ai annoncé à Silveroy que j'avais obtenu des graines de carottes, il m'a indiqué l'emplacement de deux champs où ces légumes pourraient pousser. Je dois maintenant semer ces graines dans un champ entouré d'une neige épaisse ou dans un champ proche d'un lieu de sépulture. Ils sont dispo sur ta carte. Mamie! Tu peux chanter la chanson du Pokémon Cheval Royal? Oui, bien sûr, mon trésor. Salut, JBC. Bonne nuit. En direct dans le chat, j'en profite. Qui se délectait de carottes gelées? La brute d'un blanc immaculé. Blanc comme la glace, il croquait les légumes gelés d'une passion vivace. Qui se délectait des carottes sombres? La brute de la couleur de l'ombre. D'un noir spectral, il croquait les légumes sombres d'une passion viscérale. Toi aussi, il faut que tu manges plein de légumes comme le Pokémon de la chanson. Oui, mamie. Ce passage ne valait que pour l'Obali qui kiffait bien. Pour le reste, ça me saoule. C'est par là. Retour sur la plaine grand froid. Et le repos du géant. Ah non mais oui! Le sac à PV!
Et donc le sac à XP. Je l'ai buté la fois dernière. C'est le but. T'en as déjà, j'imagine. J'en ai déjà, mais je veux le capturer quand même. Ajouter au Pokédex, tu vois. Mais pourquoi tu changes? Le but est de finir Mandrillon, on a dit. Mais il va choper de l'expérience, en fait. Tu sais, il y a le multi-exp depuis environ 600 ans, quoi. Le mec, il est en retard de 10 générations de Pokémon. Allô, quoi. Alors, hop. C'est pas opti, faut que je vois ses attaques à notre coco, en fait. Surtout qu'il est dragon, pourquoi il a des attaques psy? Bah parce qu'il a évolué depuis 9-9, qui lui est psy, en psy toujours. Après, je lui laisserai psycho, je pense. Voilà, notre coco monte au niveau 57, Fantir monte de niveau et Bourinos aussi. Vous voyez, plein de PP. Ah mais non, mais je voulais pas le tuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais le capturer. J'ai pris dans ma fougue. En même temps, moi je pensais qu'il allait survivre à la deuxième écosphère. Bah non, la première a déjà fait la moitié, donc l'autre fait l'autre moitié, puis voilà. Histoire résolue. Il est cool Mandrillon quand il me suit. J'aime bien comme il se met... J'ai des petits effets de travelling sur la caméra. Je trouve que c'est quand même un des seuls, une des seules ultra chimères qui a, enfin qui aurait pu être un Pokémon classique quoi. Ouais, enfin elle a quand même un look un peu spécifique. Ouais. Nidoqueen. J'adore. C'est une sorte d'insecte bizarre. J'adore Nidoqueen. Elle avait des crocs avant, ils ont disparu dans sa bouche. D'accord. Sur les artworks, tout ça, ça a disparu. Pauvre bête. Ils l'ont édenté. Sinon, cimetière. Oui, le cimetière. Oh là là, on peut pas explorer avec ce garçon, c'est terrible. Je suis là à peu près. Ah bah le cimetière, c'est en dessous, regardez. Il me gave. Franchement, si c'est pour faire ça, moi je vais faire la vidéo tout seul, hein, c'est plus simple. Oh là là. Franchement. On peut pas profiter, on peut pas se balader. Alors que lui, quand il joue... Ah bah vous devriez voir, hein, 10 ans pour faire une arène. Ah mais non, j'ai pas été voir dans le coin là-bas. Ah là 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 là, je vous jure. Il se marre en plus. Tu vois, je le trouve pas le cimetière du coup, je m'as déconcentré, moi je faisais mon petit... Et il y a des empreintes aussi, faut pas... Et attention, regarde. Chut. Faut pas louper les empreintes. Non mais oui. Alors, bon, on va tenter d'y aller un peu plus mollo du coup. Putain, j'envoie Boreas pour te faire plaisir. Je sais pas comment on fait pour leur changer de forme dans cette... C'est avec un objet? Ouais, c'est avec le miroir, mais dans cette version, je sais pas comment la voir. Tu te calmes, non mais oui, s'il te plaît, là. Parfait. Petite Master Ball. Mais je crois que j'avais fait une connerie comme ça dans ma première génération. À l'époque, je savais pas ce qu'était la Master Ball, donc je sais plus exactement ce que j'ai attrapé avec. Moi, c'était un métamorphe. Je m'en souviens, le premier, c'était un métamorphe. Je me rappelle en tout cas que c'était très sympa après devant Mewtwo. Ah, moi j'ai eu Mewtwo grâce à Liputu avec son gros bisou pour l'endormir. Eh ouais. Big bisou. Je veux que Liputu ait une évolution. Non mais oui, le Pokémon Audition. Son ouïe est si fine qu'il est capable d'entendre un caillou tomber à 2 km. Ça va être chiant quand même. Pour dormir, surtout. Pauvre bête. Oh là là, oui, t'imagines. Cauchemar résumé. Ah non, mais il est niveau trop élevé. Donc même s'il est de bonne nature, ça me ferait chier de commencer. Ouais, de toute façon, il est pas de bonne nature. Allez, hop, tac. Il est trop mignon. Oh là là, on l'aime trop. On va lui faire des bisous.
Alors. Attends, c'est pas un cimetière ça? Non. C'est en bas. Mais me spoil pas. Ah, je le vois. Ramasse quelques watts au passage. Pour en Goliath. Oui, les watts, c'est pour Appia. Du coup, pour qu'elle puisse amener toutes ces améliorations du... Merde. Du dojo. Ah, Mime Junior. Ah bah, je savais pas qui était là. Ah bah, j'en ai pas. Oh, lui, c'est un Mime Junior. Il va pas me faire chier, quand même. Eh ben si, il me fait chier. Et ça l'amuse, le petit Mime Junior, là. Et mais voilà. Le petit Junior, là. Mime Junior, le Pokémon mime. Il mime tout ce qu'il voit et s'entraîne beaucoup pour reproduire les pas de danse élégants des Monsieur Glaquette. C'est dommage qu'il n'ait pas une forme. Bah ouais, un petit glaçon, un Mime glaçon, Junior ouais. Glacé. Oh, regarde là-bas. On les voit de loin, les empreintes. Oui. Lansorien. Ça, ce serait bien. Ça, ce serait bien. Alors déjà, un Lansorien sauvage, franchement, alors que Fantium, pour l'avoir, c'est genre méga relou. Et puis là, on te le donne comme ça, les poufettes. Mais filez-le nous! Ouais, mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut pas oublier que ça fait un an que le jeu de base est sorti. Donc, je pense mais quand que même. 90% des joueurs, ils ont leur Lansorien. Et sinon, effectivement, ils sont contents de l'avoir. Ah, quoi. Il remue les fesses, c'est rigolo. Et deuxième point, on en arrive à un Pokédex de un peu plus de 600 bestioles, on a dit. C'est ça? Au total pour cette génération, effectivement. Du coup, voilà, pour tout attraper. Oh bah dis donc, premier vol. Wow. C'est plutôt pas mal d'avoir des petites aides. Ça va m'aider pour mon Pokédex vivant. Mandrillon niveau 99. Fantium 40. Wushur, c'est pratique, hein. Comme ça, on se rapproche du moment où on pourra aller faire les tours. Close combat. J'hésite. Ah, tu lui as enlevé son attaque. Quelle attaque? Je sais plus, mitraille, je sais pas quoi. Non. Non. Vous l'avez pas, je crois. J'hésite. C'est une attaque où il se concentre au premier tour et il tape au second tour, mais seulement s'il s'est pas fait toucher entre temps. Ah, peut-être que je l'ai retiré au fait parce que ça me saoule. Elle est extrêmement puissante, mais faut pas se faire toucher, quoi. Lansorien, le Pokémon furtif. Il vit en compagnie de Fantium qui loge dans les trous de ses cornes. Quand il passe à l'attaque, il les propulse à la vitesse du son. Je commence à l'aimer, en fait. Mais c'est vrai que quand on m'a dit Dragon Spectre, je m'attendais pas à ça, quoi. Ils avaient un truc sur les Pokémon qui projettent d'autres Pokémon sur les gens, hein, dans cette génération, quand même. Ah, pourquoi? Avec Nigosier qui crache des Pikachu et des Ombrochets. Lui, il crache ses bébés sur les... C'est pas tant. Brosselo! Ah bah tiens. C'est un dispareptile? Oui. Allez hop, fini la famille. Il a un petit Fantium sur le dos. Bah oui, regarde. Comme ça, la famille serait faite, effectivement. Hein. Du coup, tu pourras lâcher Fantium. Exactement. Par contre, faut qu'il résiste. Il est un peu trop faible. Ah bah oui, bah. Coup critique, forcément. Bon, au pire, voilà, j'aurais disparu petit, je lui fais faire un œuf et puis c'est bon. Hein. Voilà. Je dois en avoir. Eh mais c'est pas la bonne idée. On tue tous les dents, mais oui. Maintenant, je l'ai capturé, c'est bon, je peux lui faire la misère.
Avec mon Pokémon seringue géante là. Pouf! C'est vrai qu'il ne lui reste plus qu'un niveau. Et tu pourras le mettre de côté. Je pourrais le rajouter dans mon home avec les autres Pokémon élites, comme j'aime bien les nommer. De bonne nature, niveau 100. 62 Pokémon de bonne nature avec les bons EV, tout ça. Oh, Nux Ball, niveau 100. Alors, attends, on va reprendre quand même le cours de l'aventure là parce que. Donc, il y avait un champ. Mais il doit être là-dedans en fait, dans le. Là-bas. Sauf qu'on attends. Par l'autre côté. Attends. Ah! Oh, petit effroi! Alors, c'est un vrai ou pas? Dur à dire. Dans le doute, j'aimerais bien le capturer, mais pour ça, faut qu'il résiste à l'attaque. Donc voilà. Est-ce qu'il mérite la capture? Non. Il mérite pas. Ça aurait été bien qu'il se retourne un peu, tu sais, en tombant. Qu'on voit. Qu'on sache, mais t'es dégoûté du coup, tu sais, oui, tu l'as pas capturé. Drôle, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Comme quand tu. Comme dans Pokémon Go, quand t'essayes de capturer un shiny et qu'il s'enfuit, quoi. Ah oh. Bah, il a quoi sous la corne? Il a une marque? Il a une tache, comme sur le dos. Bah, c'est chelou, j'avais jamais vu ça. Ou c'est l'ombre de la corne, je sais pas. Elle est trop marquée pour être une ombre. Mais elle bouge pas. Non, c'est pas une ombre. Non, c'est une petite écaille comme sur son dos. Fin... C'est bizarre, j'avais jamais vu ça. Moi non plus. Je vais vérifier, c'est pas canonique pour moi. Tu sais, Evoli a été revu. La coupe de cheveux d'Evoli a été revue lors de la sortie de Let's Go. Et puis ils ont fait une différence mâle-femelle au niveau de la queue. Oui, mais bon. C'est l'un des champs, voilà. On va planter les graines de carottes ici. Puisque toi tu as l'autre cheval, donc je vais te montrer le cheval spectre du coup. Je vois que tu es parvenu jusqu'à l'un des deux champs que je t'ai indiqué. Sache que de cette terre naîtra une carotte sombre. Mémoire me fait peut-être défaut après toutes ces années, mais il me semble que mon destrier qui en raffolait était de type spectre. Permets-moi donc de te poser à nouveau la question. Souhaites-tu vraiment la planter les graines ici là hein? Oui. Fort bien, dans ce cas je te laisse planter les graines. Creuse. Les graines de carottes sont plantées. On a plané l'endroit où on a planté les graines. Quel talent pour le travail de la terre, je suis impressionné. Bien, à présent c'est à mon tour, je vais te montrer mes pouvoirs. Ah, super. Petite gigue. Avec Dylan qui fait pareil. Je sens qu'il se passe quelque chose. Oh, elle est trop belle. Ah, c'est marrant, elle ressemble plus à une carotte. La mienne ressemblait à une sorte de gros radis. De toutes les graines que nous avons plantées, une seule a germé. C'est malheureux, mes pouvoirs ne sont décidément plus ce qu'ils étaient. Cela dit, je n'aurai bientôt plus de raison de me lamenter. Bien, l'humain, l'heure est venue pour toi de récolter cette carotte sombre. D'abord, je veux lire là. 30 novembre, les arbres autour du village se couvrirent de bourgeons et les sols devinrent fertiles, partout des graines germées. Nos ancêtres se mirent à considérer le visiteur comme un seigneur. Depuis peu était apparue une créature rebelle qui s'attaquait aux récoltes. Le seigneur, ayant recouvré tous ses pouvoirs, s'adressa soudain à nos ancêtres dans leur langue pour déclarer qu'il allait s'occuper de ce désagrément. Donc il faut les remettre dans l'ordre évidemment à ces histoires, vous avez les dates. Ça me fait un peu penser au laboratoire du coup de Cramoisil dans la toute première génération. Disponible évidemment hein, sur Switch dans Let's Go Evoli et Pikachu et disponible en Let's Play sur ma chaîne bien évidemment. T'as jamais fait le Let's Play de Rouge Bleu en si. Dématérialisé sur la 3DS Non, j'ai fait en émulateur. Mais il est pas fini. Mais vous avez aussi Rouge effectivement. On est encore arrivé à Cramoisi, il faut que je le reprenne ce Let's Play. Ah, elle est excellente. J'adore. On dirait un Omasak. Ce sera un beau Omasak qui crache des trucs roses.
Ça ferait un beau Pokémon spectre, cette petite carotte. Cette carotte devrait nous permettre d'appâter mon fidèle destrier. Il ne me manque plus que des rênes de l'unité pour amplifier mes pouvoirs. Et je pourrai enfin chevaucher mon cher destrier. Hélas, je doute que les humains m'offrent ces rênes comme ils le faisaient autrefois. Tu loupes le... la bestiole. Au lieu de rigoler comme un... Waouh ! Oh là là là. Il est trop beau ! Spectre ! Ah, il est magnifique ! Et t'as pas vu le détail qui tue ? Mais bon. Mais c'est Spectre Val, mon fidèle destrier ! Ces crins sombres étincelants, cet air insolent et cette fougue indomptable. Il n'a absolument pas changé depuis notre rencontre. Ah, que cela me rend nostalgique. Il a senti l'odeur de la carotte, mais ne sait visiblement pas d'où elle vient. On dirait qu'il galope vers le village, sûrement pour dérober les carottes qui s'y trouvent. Humain, il risque de dévaster le hameau gelé. Nous devons l'en empêcher. Attends-nous! Il va pas très vite hein, pour le côté attends-nous. C'est ça. J'ai semé les graines dans un champ près du cimetière. Grâce au pouvoir de Silver Roy, une carotte sombre a poussé. Attiré par son odeur, Spectreval est apparu et s'est précipité vers le hameau gelé. Attends-nous. C'est par là. Hein. Non. Quoi? Ok. Attends, je vois pas de quel côté on est. Oui, non, c'est là. Ok. C'est ça. Je suis perdu! Remonte, Fissa. Moi, c'est Lou, hein. C'est pas Fissa. C'est qui, ça, Fissa? Et un dolman, t'en as un? Oui, je pense. Des petites pattes. J'ai un doute. Bon, on va vite le savoir. C'est vu comme il est chiant à trouver. Bah voilà. Merdoum, mais il y en avait plein dans le coin. C'est au moins le 10e qu'on croise, évidemment. Bah tant pis. Plus tard. Là-bas, à droite. La petite danse d'accueil. Et non, je l'ai pas, bien vu, merci. On va pas prendre de risques, hein. Il me plaque. Sploop. Ok. Bon, il doit pas avoir une défense spéciale de ouf, hein. Ouais, c'est ça. Des défenses en carton. Tu peux... Ah non, tu peux pas virer fantôme, t'as pas eu lance-arrière. Non, j'ai pas eu dispareptile, surtout. Dispareptile, ouais. Ah, c'est con, mais il me faudrait dolman, du coup. Mais moi, je sais où est-ce que je peux en trouver. Facilement. Oh, mais ça, il y en avait 10 à la... Là, là. Ah! Toi, tu vas crever comme une grosse merde. Avec ta dent, là. Et ta tâche. Et ta tâche. Ça a l'air douloureux et tranchant. Oui, ça fouette. Hein. Fonce! Bon, grosse merde. Alors. On appelait des Pokémon grosse merde et on s'est échangé avec mon pote. On était en primaire. Hein, donc, bon. Peut-être ou chaud. Mais du coup. Mais je termine mon histoire hyper intéressante. Du coup, c'était écrit quand tu faisais l'échange. Pierre a envoyé une grosse merde à Lou. T'as envoyé grosse merde à Lou. Enfin, tu vois, c'était. Une merde. On n'appelait pas grosse. Une merde, on disait. Okay, voilà, 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 voilà. Anecdote primaire, bon. Wouchours, bon, je sais pas. Il va se faire défoncer la tartiflette.
Bah tout est super efficace, voilà, donc laisse tomber. Ça, bonjour, je me disais 49, bon. Fantium. Non mais choc psy au pire, non? Comme tu veux. Attends. Inflige des dégâts physiques, donc logiquement ça devrait être bon. Mais le problème c'est qu'il va me le tuer en fait, dès qu'il va arriver. Voilà, laisse tomber. Il réussit en plus. Pourtant il y a un taux d'échec assez élevé sur l'âme de roc. Bourré assez rapide, donc j'ai le temps de placer un petit truc. Mais il est vraiment naze en défense spéciale, c'est terrible, pauvre bête. Faudrait que je fasse le tour du Pokédex pour voir ceux qui me restent à choper quand même. Mais comme... est-ce que ce serait pas... enfin, comme beaucoup de Pokémon, roche, sol, etc., non? Combat. Ah oui, ils sont plus forts en défense physique, bien sûr. On a vu Rhinastock. Non, il est très lent. Oui, mais en spécial aussi, en défense spéciale, on était étonné. Il était extrêmement lent, mais surtout en spécial, on s'est dit pour la bichette. Des défenses de ouf. Un petit pistolet à eau, et c'est bon, quoi. Ouais. Capture critique. Est-ce qu'il reste dedans? Oui, yes! Très bien, Dolman. Qu'aurait mérité une évolution. Le concept est fun, mais. Enfin, des pré-évo plutôt. Ouais. Tu vois, un petit tas de cailloux. Un caillou? Ouais, mais genre un caillou, donc bon. Dolman, le Pokémon mégalithe. Il se tient immobile au milieu des plaines et passe son temps à observer la course du soleil dans le ciel. Son jeu de jambes est phénoménal. 520 kilos. Ouais. Non, moi je pensais plutôt, tu vois, genre un menhir ou ah, ça aurait été rigolo. Je sais plus comment on appelle ça, ces petits tas de cailloux que les enfants font, tu sais, du plus grand au plus petit sur la plage. Ah, ou même les... Ah oui, les trucs même des randonneurs, tout ça, les... Oui, voilà. Et c'est un côté très... Enfin, très breton et Grande-Bretagne, tout ça. Donc... T'as plein d'empreintes. Les... Non, c'est pas les caillères, non, non. Si, c'est autre chose. C'est ça. Et t'en as une juste à gauche derrière toi. Non, j'ai une hallucination d'empreinte. Si, non, là. Faut pas trop en louper parce qu'après, pour tout refaire, je te raconte pas la difficulté. Ouais. C'est derrière toi qu'il faut aller, par contre. Hein? Si tu veux rentrer, c'est là-bas derrière. Ah bon? Oui. Par là? Oui. T'es sûr? Oui. Mais non. Si. Ah, je suis redescendu, j'ai tout redescendu en fait. T'es tout redescendu. Attends. Non, c'était une fleur. Hey, salut Stylphia. Alors, qui me demande comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Vincent, comment ça va? Très bien aussi. Alors Stylphia nous dit, DLC Pokémon tout juste fini pour ma part. On l'a fini effectivement sur la partie de Vincent, tout ça. Pourquoi n'utilises-tu pas des Rapid Balls pour attraper des Pokémon? Bah elles ont... c'est pas elles qui sont les plus efficaces, hein. C'est pas les Rapid Balls qui ont le meilleur taux de capture. En fait, c'est les Sombre Balls, hein. C'est-à-dire si en pleine nuit, vaut mieux utiliser des Sombre Balls. Là, clairement... Alors, attends, la bonne entrée c'est laquelle? C'est là qui est. Ok, c'est une autre sur la gauche. Ouais, mais sur la droite plutôt. Ça change rien. Ah! Attends. Je vais déjà remettre mes Pokémon d'aplomb. Sans gouette de boutons. Ah! Mondrillon va-t-il évoluer? Évoluer, non. Évoluer, non. Monter, non. Monter niveau 100. Il va pas évoluer, clairement. Ça. Alors, Stylphia qui demande, qu'avez-vous pensé de ce DLC tous les deux? On l'a dit dans l'épisode précédent, mais on peut le répéter. Du coup, Vincent, je te repose la question. Qu'as-tu pensé de ce DLC? J'ai beaucoup aimé. Comme je disais effectivement dans l'épisode d'avant,
pas, je me trouve pas super objectif parce que j'ai toujours tendance à adorer, à trouver ça trop bien, etc. Mais j'avais pas été plus touché que ça par Isole l'armure. Oui, déjà objectivement, il est quand même meilleur qu'Isole l'armure voilà. Déjà. Isole l'armure, moi, le côté perfectionnement, dojo, etc. J'ai trouvé l'île petite. Là, on est vraiment sur de l'exploration, sur des quêtes avec beaucoup de folklore, avec plein de petites légendes, etc. Et des temples, des reliques. Enfin, moi, j'ai adoré tout ça. Et pléthore de légendaires. Donc, c'est clair que ça fait plaisir et que ça clôture bien le scénario. Ça fait un vrai bon post-game, quoi. Voilà. Donc, fan. Fan ! Mandrillon y est presque, hein. Marthe au point pour Boreas, mais non. Mais pourquoi? D'ailleurs, il a mâchouille, ça ne va pas du tout. C'est physique. Donc, Marthe au point, non. Alors, oula. Udada. Regarde ses sabots. Ouais, ils sont pas attachés. Ils ne sont pas attachés. C'est gore. J'adore. Spectre. Alors, il ressemble énormément à la version bêta de Suicune. Hein. Vraiment, à part que là, c'est un cheval. Mais il ressemble beaucoup à la version bêta de Suicune. Au niveau et des cheveux, tout ça. Tout comme le mien, enfin le blanc, je sais plus comment il s'appelle. Blizzeval. Ouais, il est pas symétrique. Il a une partie du masque, mais de l'autre côté. Voilà. Peut-être qu'on pourrait les faire fusionner un jour, hein. Spectre glace et tout, ce serait génial. Et on mettrait Silveroi dessus aussi. Alors, on ne peut pas le capturer maintenant. Spec. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Il fixe ma carotte, dis donc. J'ai hâte de l'avoir, d'aller le chercher. Voilà. Oui, il se laissera pas avoir comme la première fois qu'on a croisé Silveroi. Rapide, efficace. Oui, bah désolé, hein, niveau 99 forcément. Et niveau 100. Voilà, on va pouvoir le ranger. Bisous Mandrillon. Val. Hectre. Ah. Run Crown. Qui est fatigué le Silveroi quand même. Hein. Ouh. Tu n'as rien. Non, ça va. C'est comme si quelque chose m'avait protégé. Serait-ce des crins? Une touffe de crins? Des crins de Spectreval. Tu as sauvé notre village. Nous ne pourrons jamais assez te remercier. Ce Pokémon était d'une brutalité. Jamais je n'aurais cru voir ça à Couronneige. Il correspondait parfaitement à la description du fidèle destrier du seigneur des récoltes dans les légendes. Mais c'est sûrement un hasard. Tiens, serait-ce des crins sombres? On raconte qu'en réalisant un tissage avec ses crins et le pétale d'une fleur brillante, que le seigneur des récoltes aurait fait éclore, on obtiendrait les fameuses reines de l'unité qui unissent le seigneur et son destrier. Mes propres ancêtres en fabriquaient, paraît-il. Le secret de leur confection se transmettait de génération en génération, autrefois. Cependant, je n'ai jamais vu de fleurs brillantes, et de toute façon, plus personne ne confectionne ces reines de nos jours. Bon, assez parlé de ces légendes. Nous devons établir une stratégie pour nous tenir prêts si jamais ce Pokémon décide de revenir attaquer notre village. Encore merci, nous te devons une fière chandelle. Sur ce, si tu veux bien m'excuser... Ah, Silveroi, à mon avis, il veut papoter. De toute façon, il se prenait encore avec Dylan, donc
Oh, il me fait un petit sourire. Mignon. Trop, trop mignon. Alors, Stylfia me demande, moi, ce que j'ai pensé de ce DLC, du coup. Bah, pour la réponse, ce sera soit dans le podcast La Cartouche, soit dans mon test sur Gamekult qui paraîtra dès lundi. Et sinon, Stylfia nous dit, perso, j'ai adoré l'aspect exploration de ce DLC. C'est vrai que c'est l'aspect le plus intéressant. Les petites quêtes, notamment pour les golems qu'on fera prochainement, tout ça, j'ai bien aimé. La quête des oiseaux aussi, je la trouve assez cool, en fait, finalement. Même si on peut la cheater assez facilement. Elle ajoute que je me suis très très vite perdu à Couronneige, en tout cas plus qu'à Isolarmure. Qu'est-ce que t'en as ressenti, toi, Vincent, du coup? Je suis un peu d'accord, puis d'ailleurs, tu nous l'as déjà bien prouvé depuis le début de la soirée. Oui, mais moi, je me perds partout, c'est pas le problème. Mais non, ouais, je suis assez d'accord, en fait, ça se ressemble un peu plus, du coup... On a cette espèce de gros hub avec le repos du géant, là, où tout est relié dessus. Et après, finalement, tous les débuts de route se ressemblent, et du coup, savoir dans quel sens t'es en train de monter, où t'es en train d'aller, c'est pas toujours évident. Merci d'avoir protégé le village de cette brute. Tes actions prouvent que je peux te faire confiance pour prendre soin de Toudou. C'est pourquoi j'aimerais te le donner. Qu'en dis-tu? Veux-tu l'adopter? Oui. Oh, tu ferais vraiment ça? Merci beaucoup. C'est fantastique, mon petit Toudou, n'est-ce pas? Cosmo. Un Cosmog. Un Pokémon légendaire de la 7ème génération. Le seul Pokémon légendaire qui peut évoluer. Hein, de mémoire, oui. Non, plus. Wooshurst et She-Force. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ils ont recommencé. C'est vrai. Alors, alors, Silver Roy, vite fait. Aïe, pardon. Ah! Je te remercie d'avoir sauvé le village. À vrai dire, j'ai failli à mon devoir. J'aurais dû maîtriser mon fidèle destrier. Mais dans mon état actuel, le simple fait de le mettre en fuite m'a vidé de mes forces. Je ne vais pas pouvoir le dompter sans reine de l'unité. Il suffit d'une fleur pour remédier à ça. Comment tu voudrais confectionner des reines de l'unité à partir des crins de mon fidèle destrier et d'une fleur que j'aurais fait éclore? Une fleur, tu dis? Oh, c'était donc ça. Je pensais que les humains avaient cessé de m'offrir des reines de l'unité parce qu'ils ne croyaient plus en moi, mais je me trompais. C'était tout simplement parce que je ne leur fournissais pas ce dont ils avaient besoin. Tout cela n'était vraisemblablement qu'un tragique malentendu. Faire éclore une fleur brillante est un exercice épuisant auquel je ne me suis pas prêté depuis des siècles. Mais je sens mes forces me revenir peu à peu depuis tout à l'heure. Je vais donc tâcher de faire éclore cette fleur. Allez, pousse! Éclocuro! Humain, voici pour toi. Un pétale brillant. Ça l'épuisait le pauvre. Eh bien qu'il est difficile de faire éclore une simple fleur, tu devrais pouvoir fabriquer des reines de l'unité à présent. Pour ce faire, sers-toi de ce pétale. Les descendants de ceux qui confectionnaient ces reines devraient se trouver au village. Je compte sur toi, humain. On va essayer de les rencontrer. Papy Mougeot! Aïe! Les livres du chef du village t'apporteront peut-être les réponses que tu cherches. Bon, on l'a déjà tout lu. Tu veux fabriquer des reines? Le chef du village confectionne de superbes pulls, il pourrait peut-être t'aider. Ah! C'est pas faux. Tiens, quel honneur de recevoir le... j'ai appuyé. Du dresseur qui a sauvé le village. Tu es revenu consulter mes livres? À vrai dire, je ne suis pas là pour ça. Comment? Tu veux que je fabrique des reines de l'unité? Cela me paraît compromis. Du temps de mon arrière-grand-père, cela n'aurait sûrement pas été un problème. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment comment confectionner. Et puis, de toute façon, tu aurais besoin aussi de la fleur dont je t'ai parlé. Mais justement, je l'ai. Mais c'est le pétale d'une fleur brillante! Alors, ça voudrait dire que le seigneur des récoltes existe vraiment? Non, c'est impossible! Mes ancêtres s'inspiraient des légendes pour fabriquer des reines de l'unité à partir de poils de Pokémon et de pétales de fleurs. Mais ce n'était qu'une simple tradition, tombée en désuétude qui plus est. Cela dit, tu nous as bien aidés, et je me dois de te rendre l'appareil. Bon, donne-moi ce que tu as. Bien, à présent, tentons de faire comme mon arrière-grand-père.
et faisons revivre les traditions de ce village. Il s'active. Il travaille intensément. Bon. Eh bien, c'est complètement raté. J'ai beau être manuel, je suis loin d'être un pro. Or, c'est justement ce dont nous aurions besoin. Ne fais pas cette tête, je suis désolé. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Monsieur le chef du village! J'ai plus d'eau chaude dans ma chambre! Veuillez m'en excuser, je vais voir ce que je peux faire. Oh chef, t'es là toi aussi! Psst, il s'est passé quelque chose? Il y a de la tension dans l'air. Le chef du village a voulu m'aider. D'accord, je vois, ça m'a pas l'air si compliqué. Donne-moi ce que t'as, je vais m'en occuper. Du coup, je dois faire quoi avec ces poils et ce pétale? Eh bien, les légendes préconisaient ceci. Tresse l'écrin et le pétale, tisse, tisse les reines royales. Je m'attendais pas à ce que vous chantiez, mais pourquoi pas. Bon, c'est parti mon kikli. Ah, c'est génial comme expression ça. C'est parti mon kikli. Et bah voilà, tu les as tes reines, ça ira comme ça. Et bah voilà. Tout simplement. Ça alors, je m'attendais pas à une telle dextérité de votre part. Ces reines de l'unité sont exactement comme celles des légendes. Ha ha ha! Comme quoi, ça sert que je couse des vêtements pour ma fille. D'ailleurs, chef, c'est moi qui ai cousu ton uniforme d'exploration. C'est très intéressant, mais revenons à nos moumoutons. Tu as réussi à obtenir des reines de l'unité? C'est vraiment formidable. Quelle émotion. Allons voir l'ami Sissi. Tu sais quoi? Je me suis encore endormi dehors. Quand je me suis réveillé, j'avais super froid, donc je suis rentré pour prendre une douche, bien chaude, mais l'eau était glacée. Ça m'a tellement surpris que je me suis précipité dehors. Un peu comme... Humain, as-tu réussi à confectionner des reines de l'unité? Tu m'en vois ravi. Je suis également porteur de bonnes nouvelles, puisque je sais où s'est établi mon fidèle destrier. Spectreval est au Temple Couronne, un endroit où nous passions beaucoup de temps autrefois. Je ne m'y rendais plus car cette évocation du passé m'était pénible. Se pourrait-il que mon fidèle destrier s'y soit installé en souvenir de ce temps passé ensemble? Non, c'est impossible. Le temple couronne est juché au sommet d'une montagne située au nord d'ici. Ce sera ta prochaine destination. N'oublie pas d'apporter les reines de l'unité et la carotte. Je m'y rends ce pas. Je compte sur toi pour m'y retrouver. Il emmène Dylan. L'attaque de celui qui était autrefois le fidèle destrier du seigneur des récoltes a été repoussée. Silveroy m'a donné un pétale brillant qui a ensuite été tressé avec des crins du Pokémon cheval pour fabriquer des reines de l'unité. Je dois à présent rejoindre Silveroy au temple couronne où se cache son ancien destrier. Eh bien on va s'envoler! Hein, le temple couronne se trouve tout ici. Donc du coup je vais aller... À Brasswick! Suspense, je vois l'air circonspect de Vincent. J'ai des trucs à faire, monsieur. Alors déjà, je veux perfectionner mon petit noix de cocoy. Alors, Draco Marteau, ah bah c'est physique, dommage. Alors, méga sensu, moi. Giga sensu. Bah, giga sensu, c'est bien ça, pourquoi il l'a pas. Mais il est nul en attaque dragon, en fait, ce con. Bah, déjà, pourquoi choc psy et psycho? Mais si je mets écho, enfin... Bon, ça avait beaucoup trop de plantes. Je voulais le perfectionner, mais j'en fais de la merde, en fait, mais bon. Giga Sensu, c'est important, quand même. Qui je pourrais perfectionner encore? Bon, il avait rien d'autre. Attends, Boreas. Il n'y a pas du spécial un peu plus, là? Ouais, bon.
Bon, tant pis. Non, c'est bon. Je vais regarder si j'ai pas une CT dragon intéressante. Le problème avec les DT là, franchement, ça me saoule les DT, j'aime pas ça. Peut-être les classer par type, je sais plus. Même pas. Par numéro seulement. Alors. Je regarde déjà si j'ai pas un truc dragon qui passe. J'ai pas l'impression. Dragon. Non. Abattage. Rien que le nom. Mais c'est physique. Et surtout ce qui est écrit. Ouais, je sais, ouais. On sait tous ce que ça veut dire. Dracochoc. Bah ouais, mais j'en ai qu'une seule. Bah t'en auras d'autres. On les gagne en raid, etc. Pauvre bête, faut bien lui mettre une attaque dragon. Ça réduit l'attaque spéciale, j'aime pas genre d'attaque. Et attaque écosphère. Je lui laisse écosphère pour l'instant, on verra. Ou alors, attends. Je peux faire tempête verte et giga censure en même temps. Oui. Qui sont plus puissantes qu'écosphère. Giga Sensu est moins puissante qu'Écosphère, mais elle régénère. C'est ça qui est intéressant. Ah bah j'ai Écosphère en dessous. Je peux lui rapprendre si je veux. Pour Boreas, est-ce que j'ai un truc intéressant? Vent violent. En même temps, précision 70, j'ai horreur de ça. Alors, je vais regarder mes missions aussi. C'est pour ça que je suis venu ici, en fait. Oui! Mon gorithmique, il est revenu. Ah, des faiblobols? Bah d'accord. Alors mon mouton, mais alors j'avais une hallucination, je crois qu'il est pas de bonne nature en fait. Il faudra que je vérifie ça. Et vitesse. Sensation. Des limonades, ok. Alors, sur l'attaque, est-ce que j'avais... Je sais plus... Attends. Minute papillon. Minute papillusion. Comme qui dirait. Ils sont passés où déjà? Où est-ce qu'ils sont foutus? Où est-ce que... Bah... Ah, ils se rangent n'importe où en plus, super. Ah, j'adore ça. Sensation est là. Rhythmique aussi. Donc mon mouton doit être juste avant, ça doit être lui. Alors, je vais vérifier. Non, il est de bonne nature en fait, si. J'ai halluciné sa mauvaise nature. Donc défense et défense spéciale, hein, le petit. Donc il est malin. Vous voyez, il perd en attaque spéciale, mais il gagne en défense. Je vais le marquer déjà. C'est bon, c'est déjà fait en fait. Donc vous voyez, j'ai fait des petites cases en fonction de ce que je vois augmenter sur chaque Pokémon. Là, on peut suivre les efforts. Donc là, il y a encore du boulot à faire en attaque. Hein. Vous voyez, c'est pas encore maximisé, pardon. Hop, déplacer. Ensuite c'est Y. Voilà. Et ça c'est tous les Pokémon de bonne nature dont je dois améliorer l'attaque. Tu as à nouveau un Canartichaud, c'est dommage. Ah mais c'est un Canartichaud normal. Classique. Ouais. Ah c'est pas ça que je veux faire.
Un séminaire sur l'attaque. Et oui, un bah, c'est important. Un séminaire pour des Pokémon. Ah, plus vite comme ça. Allez, salut les copains. Faudra pas que je me plante quand ils reviendront parce qu'ils vont se mélanger à tout le monde, du coup ça va être relou. Non, il y a une chance, je pense qu'ils reviennent dans leur boîte d'origine. Bah non. Non, non, ils sont mis au début ouais. comme des merdouilles. Je peux en faire sur par exemple la vitesse. J'ai Rocabo. C'est sympa Rocabo. Je vais envoyer tout ce que je peux envoyer, hein, comme ça sera fait. Un Scrutella, bon. T'aimes bien Scrutella ? Sans plus. J'ai rien contre lui, mais je ne l'aime pas particulièrement. J'ai l'impression d'envoyer un enfant à l'école. Au loin, ouais, c'est ça. Alors, je regarde ce qu'il y a. Attaque spéciale, oui. Bah, défense, je suis obligé, en fait. Il y a des chouchous. Attends, là, j'ai mon Welmer quand même. Il y a un coiffeur dans le coin? Oui, comme dans toutes les villes, je crois. Ah ouais? Dans toutes les villes, il y a un coiffeur? Bah oui. Je me souviens pas. Pitrouille! Comme ça, ça me fera en fait plein de Pokémon prêts pour quand je voudrais commencer Pokémon bouclier. Je commencerai avec des Pokémon évidemment de bonne nature avec de bons EV et puis ce sera sympa à suivre. Je vais juste vérifier. Non, j'avais personne en PV, je crois. Je vais vérifier et puis c'est bon. Ouais, personne en PV. Donc là, ils vont se mettre au hasard. Donc faudrait que je ferme les boîtes en fait pour être sûr de. Parce que tu vois, ils vont se mettre dans les trous et tout, ça va être compliqué. Ah, cauchemar quoi. Ah, mais le cauchemar! Le cauchemar. Ça, toi, je vais te ranger déjà là-bas. Parce qu'il faudra que je t'amène dans le truc. Alors, bon, on fera ça, je ferai ça plus tard. Soignez mes Pokémon et puis changez de coupe de cheveux. Et on va pouvoir. Choper Destrier. Alors, où est-ce qu'on change de coupe de cheveux? Ouais, remarque, dans cette ville est peut-être petite. Bah ouais, peut-être ouais. Trop petit. Un endroit où on est sûr qu'il y a un coiffeur. Kikenam, Motorbike. Ouais, les grosses villes quoi. Ouais. Tu l'aimes pas ce bouton hein. Non, j'aime pas ce bouton, je me plante toujours. Salamèche. Ludester, je sais où il est. Bah il y a Salamèche sinon là. Ludester c'est là. Salamèche. C'est trop bien ce jeu de mots, je m'en remets toujours pas. Bah balance. Bah tout à droite. Et tu remontes. Ah. Ah. Là, non pardon, il est en bas. Autant pour moi. Bah, t'es rentré. J'ai pas fait exprès. C'est le magasin de fringues qui est en haut, le coiffeur est en bas. Je reconnais les petites paires de ciseaux. Ah, je rêve ou c'est une carte élégance que t'as là? Galar à boîte vaste, on n'en voit pas tous les jours parce qu'elle est réservée aux clients les plus distingués. Grâce à cette carte, t'as désormais accès aux dernières tendances en matière de coiffure. Je te laisse constater ça par toi-même. Bienvenue chez Talamèche, cher maître. Qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui? Coupe. Maquillage? Tu as 8000 Pokédollars. Et alors, je suis pauvre? J'ai le droit?
Alors, donc ça c'est Isolarmure. Il faut que tu cliques pour Crête. Les voir. Donc ça non. Ça c'est pas trop mal, mais ça ressemble à pas mal à la mienne hein, ouais. Que j'avais parfois. Tu peux choisir la couleur en allant à droite. Ouais, mais y a pas d'autre. Non, mais je vais te garder ma couleur naturelle. Oui. Mais je sais pas si je vais faire celle-ci. Ah, je ressemble plus à celle-là normalement. Bon là c'est parce que je suis pas chez le coiffeur depuis longtemps, mais je vais faire raser sur les côtés. Coupi coupette. C'est plutôt pas mal, tu trouves pas? Hein? Sympa, sympa. C'est mieux que le chignon. Allez. On est reparti. Alors du coup, je pense que tu dois avoir un pop de vol par là-bas. Ah non. Pas encore. Donc le plus proche, ce sera devant le temple du Régis. Tout à fait, le Régis, le temple de Régis. Non. Régis Till. Bah Régis Till. Monsieur Till. Tu connais pas Monsieur Till? Ah là là. Donc là, l'entrée devrait être sur la gauche, mais pas tout de suite. Ouais, mais loin, loin, loin. Oui, bah ça va, monsieur. Farfaroué. Ah bah je vais toucher. J'ai oublié de changer Mandrillon. Je vais t'éteindre la loupiote. Pour bait. Oh lui même pas KO. Flamèche, non mais franchement. Le mec il est niveau 65, il me fait Flamèche. Ça c'est un pauvre Pokémon parce que évidemment il évolue avec une pierre. Et du coup voilà, avec une pierre tu fais des bêtises. T'apprends pas de nouvelles capacités, donc voilà. C'est un Pokémon qui a évolué trop tôt en Exactement. Trouvant une pierre au pied d'un arbre. Soyez soyez patient pour les Pokémon qui évoluent avec une pierre. Pendant ce temps, Fantième n'évolue toujours pas. Mitrapoint, qui va prendre Mitrapoint encore? Wishurst, mais il a pas déjà voulu la prendre? Non. Ah non, c'était Boreas, mais oui. J'aime pas Mitrapoint de toute façon. Alors, Mandrillé, tu vas rentrer à la maison. Pas te reposer, tu es brûlé. Du coup, mes petites élites là, elles sont où? Mes Pokémon prêts. Mais pas du tout, toi, qu'est-ce que tu. Mais qu'est-ce qui s'incruste? Il veut se faire passer pour un Pokémon génialissime là. Franchement. Filou! C'est quoi ça? Ah oui, c'est ce que je dois faire évoluer. Alors, j'ai du boulot encore, hein. Fou. Qu'est-ce que je prends? Il y a ton nouveau Suicune qui s'est glissé là, le Monsieur Mime aussi. Oh purée, quel bordel. Bon, je vais les foutre là. Ah! Quel est le bon? Celui-là. Ça, c'est le nouveau. Et Cosmog. Et Dolman. Et Dolman. Et Lansorien. Il en sort rien, bah dis donc. Ok, on y voit plus clair. C'est Piatros. Grave. Un de mes meilleurs amis. Ah, j'adore. Electriseur, c'est pour faire évoluer Electek. Electek, exactement, en Et les câbles. Et les câbles. C'est excellent, les Magikarp. Ah, j'adore, j'adore. Je trouve ça trop bien. Fais attention. Quoi? Bah rien, il y avait juste un gros Léviator qui traîne dans le petit lac façon monstre du Loch Ness. Ah, c'est vrai que c'est rigolo ça comme... On est en Écosse, hein, on est en Écosse, même si on est au sud de Gala. Oh, j'ai eu peur, mais non, c'est bien. Faut que j'arrête de les faire sortir de leur Pokéball, ça me crée des frayeurs. Nidorina.
Alors. C'est encore un tout petit peu plus loin le chemin. Ouais, je regarde juste s'il y a des empreintes en fait. Oui. Je veux pas en perdre. Tu vois, s'il y en a dans le coin, faut pas que j'oublie après. Alors, honnêtement, je pense qu'elles sont. Comment on dit Qu'elles sont pas au même endroit pour tout le monde, quoi. Ah bon? Parce que moi, j'avais pas de. J'ai pas eu d'empreinte. J'en ai peut-être eu une, mais j'ai pas eu autant d'empreintes. Et j'en ai eu énormément en bas. Vers la zone où t'es pas allé. En partant vers l'arbre. Il y en a une juste derrière toi. Là, un petit peu. Là, voilà. Ouais, non, j'en ai eu énormément en partant un peu vers le lac. Vers, comme si tu partais vers le gros arbre. La majorité des miennes étaient là-bas. Ce serait bizarre quoi, qu'elles soient pas au même endroit. Bah ça dépend, peut-être qu'en fait ils se baladent de manière invisible et que ça laisse des empreintes. Selon la version. Ah, peut-être aussi. On ne sait pas. Et voilà la grande route enneigée et la piste de ski. Bienvenue à la boutique Watt. En plus de l'étalage habituel, nous proposons également des offres spéciales qui changent quotidiennement. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir tous les jours. Ouais, mais non. Mais non. Je garde mes watts. Oula, doucement. Le petit champ, du coup, pour avoir Blizzval. Ah, c'est ici pour avoir Blizzval? Ouais, exactement. Tout à fait ça. 21 avril, c'est grâce au Seigneur que les terres enneigées d'antan ont disparu au profit d'étendues fertiles. Que serait Cours aux Plaines aujourd'hui sans lui? Aussi longtemps que ce lien nous unira à notre souverain, il ne fait nul doute que nos terres seront couvertes de verdure et nos récoltes abondantes. Ouais, mais ils ont oublié. Un monarctique. Un carcan d'oiseau, il est rigolo. Un pôle à griffe. Un rappel. Ouais, pôle à griffe un petit peu plus violent qui a tendance à courir au cul pour essayer d'attaquer. Un métang. Sauvage. Un autre cas d'oiseau, j'en ai pas vu, il doit être exclusif à ta version, je pense. Il y a tout un truc à faire en contrebas là, mais on peut plus y aller là. Pour l'instant, là je fais le. Tout à fait. Tout à fait. Laisse-moi faire mes. Hein? Tout à l'heure, tu m'engueules parce que je fais d'autres trucs et maintenant non, tu m'engueules parce que je... Non, non, pas du tout. Je le signale juste qu'il y avait un autre endroit sur la carte. Moi, je dis Monsieur Jean-Maurice. Hein, tout... Je vais manger un flocon de glace pendant ce temps. Alors, je ne l'ai pas, donc je vais le capturer. Sans lui faire trop de dégâts. Il augmente sa défense. En fondant. Ah ouais. Donc coupe psycho et tranche nuit, équivalent de tranche hein, en psy et en ténèbres. Même puissance. J'ai peur parce que ça fait beaucoup de critiques, donc je me méfie. Et glaciation, c'est un one hit KO. Donc doucement exagère, t'exagères un petit peu. Encore un petit peu. C'est Piatros, qu'est-ce que j'adore ce Pokémon. Psy Ténèbres. Avec une méthode d'évolution unique à ce jour. Et tellement chiante. Surtout sur la Switch. Surtout sur Switch, oui. On le rappelle, il faut retourner la console pour le faire évoluer. Mais du coup, petit conseil, pensez à déconnecter vos manettes. Parce que si vous jouez avec... Enfin, ce qui est le plus simple, c'est donc d'avoir la manette, la console directement en main et de la retourner. Mais si la manette est connectée, ça ne marchera pas. Exagèle le Pokémon Cristal. Il gèle ceux qu'il croise à l'aide de ses chaînes faites de givre, puis les emmène vers un lieu inconnu. C'est horrible. Eh oui.
Il y a plein de Pokémon comme ça qui ont une histoire un petit peu craignose. Oh, il y a un temple en contrebas. Voilà. C'est joli. C'est ce que je te disais. Ah, une grotte. Quelque peu... comment dirais-je ? Oula ! Ah, Nosferapti est de retour ! Stracy ! Ah ouais... Drabi ! Effectivement, Drabi, je ne l'avais pas. Moi, j'avais Cricknot, du coup, dans ma version. Eh bah voilà, tu vois, il y a des exclusivités. Ouais, bah j'aurais préféré Drabi, bizarrement. Bah, tu l'aimes pas pour tendre attaque. Ouais, mais il est plus badass que Karchakrok, quoi. Bon bah écoute, tu prends le chemin rapide et direct. Cette grotte est en réalité extrêmement labyrinthique. Une pierre lune, c'est cool ça. Mais moi j'ai pas peur des labyrinthes. Non, fallait continuer à monter. Mais laisse... Ah ! Spoil pas ! On fait comme si on découvrait quand même. Ah ! Je fais... Sans plan ! Oh là 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 là, il casse la magie de l'exploration. On découvre là, tu vois, on découvre, ok. Oh, je vous jure. Une pierre stase. Bon, ça grouille de Nosferapti. Hein. Ah, mélo ! Ah non, un mélo fait. J'ai cru que c'était un mélo tellement il est petit. Coucou. Allez, je te tue pas, mais c'est parce vrai, que je t'adore. C'est vrai que ça aurait moins bien marché avec lui comme mascotte, quand même. Mais non, tu dis n'importe quoi, oh, c'est faux. C'est évident. C'est entièrement faux. Ah. S'il avait été à la place de Pikachu... Mais tais-toi. Espèce de grosse boule rose, là. À la Kirby. Mais arrête, t'es méchant. Oh, belle de neige. Est-ce que je l'ai? Tellement majestueux. Oui, c'est un frissonni que je dois rattraper. Pour mon Pokédex vivant. Éclat de glace éternel. Dracarmin ! Il est partout celui-là. Tu l'as fait évoluer par bonheur de nuit ? Ah. De quoi ? Belle de neige. Bah oui. Pourquoi ? Non, parce que c'était chiant. Une bisball ? Oui, c'est vrai que c'est le meilleur taux, la baseball, vu que je l'ai déjà. Oh, j'en ai qu'une. Allez, il y a moyen d'en avoir d'autres. Allez, on tente à l'hyperball. Je déteste ça. Capture critique. Voilà, tu vois. T'imagines si t'en retrouves jamais. Exactement. Sachant que t'as des noix grumes et que tu peux les fabriquer toi-même. Ah oui, c'est compliqué, oh là là. Pour mon... Attends. Ah non, de toute façon, il est niveau 60, je veux pas commencer à monter à niveau 60, ça, c'est pas intéressant. Une pierre glace. C'est temps de faire rouge. Évoluer Frissonnig à partir de la prochaine génération. Regardez comme c'est magnifique quand même. Avec l'arbre. Puis les frissonniers. Vraiment, les belles de neige qui volent tout doucement comme ça, je trouve ça magnifique. Le temple couronne. Une belle architecture gothique avec un arbre immense derrière. Mort. Mort, mais immense. C'est l'arbre mojo. C'est ça. Pauvre bête. Je t'attendais, humain. Te voici au temple couronne qui se trouve être mon ancienne demeure. C'est sûrement pour me narguer que Spectreval s'y est installé.
Il sait que j'ai perdu mes pouvoirs et en a profité pour s'approprier mon bien. Je vois que tu as apporté les rênes de l'unité. Voilà longtemps que je ne les avais pas tenues. Ah, cet éclat familier. On dirait bien que la nostalgie s'empare de moi. Sache que Spectreval est un Pokémon très fier. Pour qu'il accepte d'être ma monture, je dois lui prouver que je suis plus puissant que lui. Ces rênes vont lui permettre de mesurer l'étendue de mes pouvoirs. Cela devrait le convaincre de redevenir ma monture. Bien, humain, l'heure est venue d'appâter mon destrier. Dépose la carotte sombre dans ce récipient près de sa litière. C'est une belle carotte. Mon destrier sera bientôt là. J'ai tant attendu ce moment. Permets-moi toutefois de te rappeler que tu l'as déjà battu une fois. Or, il ne s'approche pas de ceux qu'il considère comme une menace. Nous devrions donc nous cacher pour le moment. Bah alors ? C'est pratique, hein, quand même. Il est magnifique. Il a son petit manteau maintenant. Il est splendide. Mais c'est quoi ce truc? Sa tête est énorme! Et il a une monture? Roran, Roran. Quoi, ce truc parle? Kuronoro. Qu'est-ce que tu racontes? Runo Enwok. Bah, j'en sais rien, moi, si tu le dis. Mais au fait, t'es qui? T'es quoi exactement? Et c'est reparti. Humain, grâce à vous deux, mon fidèle destrier est revenu à mes côtés. En outre, j'ai recouvré mes pouvoirs d'antan. Moi qui pensais que les humains ne croyaient plus en moi, je me sentais si seul sans leur soutien et sans mon fidèle destrier. C'est à toi que je dois la fin de cette triste période. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Quoique. Je vais te donner l'opportunité de me capturer, mais sache que cette tâche ne sera pas aisée, maintenant que j'ai récupéré mes pouvoirs. Si tu y parviens, je reconnaîtrai ta valeur et t'accompagnerai dans ton aventure. Je te laisse effectuer tous les préparatifs dont tu as besoin pour m'affronter, mais tout d'abord... Renvoyons cet humain en lieu sûr. Ce serait cruel de le laisser prendre froid par ce temps glacial. Bah, c'est bizarre de le voir se déplacer comme ça. Alors, préparatif. Donc, notre ami est devenu de type psy-spectre, là, si je me... Oui, psy-spectre. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que tu crois pas, du coup, comme on en capture deux d'un coup, finalement, que si tu le fais avec une Master Ball, ils seront tous les deux dans une Master Ball? Oui, je pense que c'est le cas. Mais je le ferai pas la Master Ball. Ni. Enfin, je... Quoique... Bah, ça peut être une bonne solution. En plus, ça double les Master Ball, du coup. Attends, hop. Ah, il m'en reste qu'une. Ouais, j'ai Eternatus dans une Master Ball. Est-ce que je mets Silver Roi dans une Master Ball? Allez, on va le faire la Master Ball, ça va être dit. Oh, oh.
trop beau, Spectreval. Osmose et Kine. Il a deux talents du coup. Tension plus le talent de Spectreval qui augmente sa puissance à chaque fois qu'il fait attaque. Donc je veux juste voir un petit peu ses attaques comme ça. Bon, psycho, ça marche pas sur moi. Il me s'en suffit. Ah non. Ah oui, d'accord. Bon, ok, il est vénère. Sombre ruade, voilà. Ah oui, niveau 80 quand même. Hein. J'envoie le Pokémon d'Isole Armure. Wishurs. Petit Wishurs. Il y a un oursin sur les fesses. Mais non. On va dire que c'est le Pokémon le plus rare de cette aventure, donc il mérite sa petite Master Ball. Mais je suis difficile sur les Master Ball quand même. En général, c'est la mascotte. Enfin, pas la mascotte, le plus rare. Donc Eternatus en l'occurrence, en effet, bouclier. Ouais, mais on a changé de mode de fonctionnement avec, avec ces DLC. Moi, je propose quand même que tu nous montres un petit peu l'attaque signature de ce Pokémon. Silveroy, le Pokémon Empereur. En mode cavalier d'effroi, on raconte qu'il a parcouru la région de Galar avec un Pokémon auquel il était uni pour revitaliser les terres en friche. Alors, je vais l'inclure dans l'équipe. À la place de Boreas. Je comprends. Mais je comprends. J'ai zéro affect avec Boreas, franchement. Humain, ou devrais-je dire plutôt loup. Oui. Je n'aurais pas pu espérer avoir un meilleur dresseur. Je compte sur toi pour la suite. Allô, chef, c'est Dylan. J'ai fait un rêve trop bizarre. J'étais dans une sorte de temple avec le Pokémon à la tête énorme. Il n'arrêtait pas de parler. D'ailleurs, chef, toi aussi t'étais là. Bah, ce rêve était tellement réaliste, c'était chelou. Ça m'a un peu inquiété cette histoire, alors je t'ai appelé. Toi, ça va, chef? Il t'est en arrivé, j'espère. Tout va bien pour moi. Ah ouf, tant mieux alors. Il est pas question que tu te mettes en danger pour la mission d'exploration Dynamax, hein. Bon, en tout cas, fais attention à toi en rentrant à la base secrète. Rentrer sain et sauf, ça fait aussi partie de l'aventure. Silveroy, le seigneur des récoltes, a pu renouer avec son fidèle destrier grâce au règne de l'unité. Il semblerait qu'il avait mal interprété l'attitude des humains à son égard. Pour me remercier de l'avoir aidé à retrouver ses pouvoirs, il a décidé de me suivre dans mes aventures. Allons raconter à Dylan ce qui s'est passé. Mais avant de finir cet épisode, de toute façon, on va quand même... Ah, regarde. Quoi? C'est sabot. Ah oui, du coup, ça fait... Oui, c'est rigolo. La petite icône est assez rigolote. On va regarder aussi... Donc, il est en deux parties, hein, le Pokémon. Voilà, vous voyez, il y a Silveroy et Spectreval de l'autre côté. Spectreval, le Pokémon cheval vif. Il se sert de tous ses sens pour se repérer, sauf celui de la vue. Un coup de ses sabots suffira à séparer l'âme du corps de sa cible. Brrr. Allez, on sort du temple. Du coup, j'imagine que sa signature doit être lance spectrale ou un truc comme ça. Peut-être. Qui aura la chance d'y goûter? Oh, un belle de neige. J'aime trop les belles de neige. On veux pas les taper. On va défoncer un Dracarmin à la place. Non, il est magnifique, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu préfères du coup Spectreval ou Blizzval? Spectreval. Ouais. J'aime beaucoup Blizzval, il est très sympa. Ouais, j'aime bien les deux, mais je préfère Spectreval. En même temps, le type Spectre, c'est un de mes types préférés. Peut-être qu'ils s'assortissent mieux avec Blizzval, le cheval blanc. Oui, le... oui voilà. Là, c'est vrai que ça fait un peu. Bon. Mais. C'est éclat spectral. Par contre, ce côté Pokémon quand chevauche un deuxième, je suis toujours pas. C'est pas que j'aime pas, hein, mais je trouve ça étonnant. C'était pas... magnifique. C'était magnifique.
Moi, ça me dérange pas qu'ils chevauchent. Il y a bien des fusions de Pokémon, ça me choque moins qu'une fusion. Tu veux la revoir? Allez, on se la refait, après ce sera la fin de l'épisode, du coup. Non, mais c'était magnifique, quand même. Bah, là, pour le coup, j'aime mieux lance ah non, de glace. T'as tort. C'est faux. J'aime beaucoup mon attaque. Non, non, tu dis ça parce que t'es en colère. Non, ça va, je suis de bonne humeur. Il est un peu tard, je fatigue, mais ça va. Ah non, c'est superbe. C'est superbe. Fantirme, sinon un jour t'évolues ou... 50, je crois. Bien, on va s'arrêter dans ce petit bois, du coup, avec notre ami Silver Roy. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner ici sur YouTube, ici sur Twitch. C'est toujours Alex le serveur. Merci beaucoup, Vincent, pour m'avoir accompagné. Avec plaisir. On se retrouve bientôt pour la suite des quêtes de Couronneige. On a fait une première quête, il y en a encore deux principales. Et il y en a même des secrètes. On verra tout ça. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.